voisin. On y va. Allez. On a des gants là-bas, on a tout ce qu'il faut là-bas. Allez, on y va. Ouais, alors j'avais, et du coup la maladie, elle a rigidifié le... Ça fait que c'est plus raide. C'est plus aussi fluide. Ouais. En fait, il y a moins d'amplitude. Et ouais, c'est plus raide, quoi. Il va partir à l'aventure. Super. Il y a le café. Et l'autre aussi. Hop. Il veut parler d'autres langues. Là, ça sera la courbe. Ouais. Et toi, ça sera celle qui va de droite à gauche. Voici elle est prude blonde. Le lanceur, il commence avec la balle dans sa main. Devant. Et il essaie d'envoyer un strike jusqu'au catcher. Et le catcher, il est derrière les signaux, il dit oui, ok, il est prêt. Et lui, il va faire tout son jeu. Et il va lancer la balle pour lancer précisément dans cette zone imaginaire de strike. Ce soir pour la dernière fois, il va dormir sous leur toit. C'est pas en vue, c'est pas en vue. Pour engager le bas du corps et pousser vers le marteau. Vous pouvez lancer les balles dans la zone de strike. Toi, ton objectif, c'est de protéger cette zone avec la balle en frappant la balle, on va dire, le plus fort possible dans les temps. Ok, okay. Ah, je ne l'attendais pas. Bon. Ensuite la troisième, et on va revenir ici. Moi je vais sortir le chrono pour voir si tu arrives à le faire en dessous de 20 secondes. D'accord. Okay. Allez, c'est parti. Alors, sensation. Arm run. Bah, c'est, ça commence à être un peu fatigant, mais je suis content quand même. Je suis content. C'est répétitif. Non, c'est dur au début. En fait, il y a plein de petits repères à prendre sur le geste, sur la hauteur, etc. Mais je m'en sors pas trop mal, je trouve. J'étais professeur de pharmacologie à la fac de pharmacie, donc j'étais sensibilisé à l'activité thérapeutique du sport dans la santé en général, que ce soit préventif ou curatif, ou que ce soit dans la santé en général ou dans les maladies neurodégénératives en particulier, notamment la maladie de Parkinson. Alors, donc, l'importance de l'activité physique. Très très importante, activité très importante, parfois supérieure à celle de médicaments dans de nombreuses pathologies. Et donc qui a été bien démontré. Donc pour nous, tu rentres complètement dans notre activité, dans nos priorités.
Donc pour moi, c'était très bien. Et puis je suis content que maintenant que tu vas porter casquette. La casquette, hein, du président. La casquette du président, voilà. Est-ce que tu connaissais la maladie de Parkinson avant? Je connaissais, parce que ça fait un moment que Véro et moi, on se connaît. Ouais. Son fils était joueur au Pôle Espoir. Ouais. Et donc, du coup, je connaissais grâce à Véro. Et quand elle m'a parlé de ça, tout de suite, j'ai dit oui, il n'y a aucun problème. Et même, c'est quelque chose qui est très important de t'ouvrir la possibilité de venir sur le terrain et de jouer au baseball et de connaître notre sport et en même temps, moi, d'apprendre un peu plus sur la maladie et de ton histoire. C'est le but de ma démarche, c'est moi de venir prendre du plaisir. Il y a de la transmission qui se fait, mais moi je transmets aussi des trucs sur la maladie de Parkinson. Oui. Donc il y a un échange. Absolument. Moi, ça me permet de sensibiliser, de faire connaître ma maladie à plus de monde. Et en même temps, je m'amuse, quoi, je kiffe. Bien sûr. Et au niveau de jeu, ça a été? Ça a été très bien. Ouais. Ouais, c'était bien. Voilà une nouvelle page de mon projet, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis je viendrai voir les matchs.